pendant 12 ans sur du FC Valence afin d'afficher tout le talent de son ambition. 최근 프랑스 공영방송 프랑스 텔레비지옹이 내보낸 특집 방송의 주인공은 다름 아닌 이강인 선수. 파리 생제르맹으로 이적한 지 얼마 되지도 않았는데 벌써 강력한 팬덤을 구축한 그에 대해 언론은 연일 호평을 이어가고 있습니다. 환상적인 왼발 슈팅과 창의적인 플레이, 심지어 택배 크로스라고 불리는 완벽한 패스에 누구나 절친으로 만들어버리는 사교성까지. 무엇 하나 모자람 없는 이강인은 특히 젊은 세대 사이에서 인기가 대단한데요. 프랑스 언론이 이강인 현상이라고 이름 붙인 현지 풍경을 지금부터 함께 감상해보시죠. 자, 대한민국의 프리킥. 리강인. Symbole des joies collectives. Déclencheur des frénésies coréennes. La nouvelle star du football en Asie. Son retour au pays pour les qualifications en Coupe du Monde déchaîne les passions. Bienvenue aux origines de la Likangin Mania. Les affaires marchent bien grâce à ses buts. En Corée du Sud, les groupies aiment sans compter. Ah, le visage de Kangin est si mignon. C'est notre chouchou, on l'adore. J'espère qu'il va encore marquer un but. Regardez comme il est beau. Une égérie. Toutes les marques coréennes se l'arrachent. Une notoriété acquise avec les Diables Rouges coréens. Un pied gauche devenu magique. Buteur, passeur décisif il y a 10 jours. C'est beau de jouer dans un stade plein et d'avoir des fans qui nous aiment autant. Des fans, Kangin Lee en a depuis qu'il a 6 ans. Star d'une émission de télé-réalité. Parmi ses coéquipiers, Yosep Seo, son ami toujours. Il a 7 ans, mais la façon dont il prend le ballon, dont il se retourne, il était déjà capable de shooter dans toutes les positions. C'était un enfant différent. À ce moment-là, personne n'aurait pu penser qu'il allait devenir un joueur de classe mondiale. Je suis vraiment fier de son ascension. Le prodige persévère. Direction l'Europe. Apprentissage du football à l'espagnol pendant 12 ans. Du centre de formation du FC Valence à ses premiers pas en Liga, dans le championnat de son idole. Je veux être Messi. Afin d'afficher tout le talent de son ambition, Likangin devient l'été dernier une star du Paris Saint-Germain. Il a faim. Et la faim, c'est très important pour qu'un joueur puisse progresser. Il est jeune, c'est un très bon joueur dans notre effectif. Ses fans le suivent partout, comme cet étudiant coréen de passage express à Paris. Il est technique, il est incroyable, il est brillant. Et regardez, j'ai personnalisé mon écharpe en mélangeant le drapeau de la Corée du Sud et celui du PSG.
Tout comme Cook, des centaines de Coréens assistent au match de Paris. La Lee Kang-in Mania s'exporte au Parc des Princes. On a franchi une nouvelle étape avec l'arrivée d'un joueur coréen. Ça fait passer le club dans une autre dimension en Corée. Et je pense qu'il est déjà apprécié par le parc. Et au fur et à mesure, je pense que ça va être de plus en plus la folie autour de lui, quoi. Ce recrutement inspire cet influenceur franco-coréen aux 276 000 followers. C'est chaud ce qui s'est passé, hein. 정말로 되게 댓글도 많고 반응들이 있지만 이강인 선수 해보고 딱 했는데 effectivement c'était un excellent choix. L'équipe du PSG, les coachs, les entraîneurs, ils ont raison de le prendre parce que là, regardez déjà en quelques matchs tout ce qu'il a fait. Et là, c'est encore le début, sachant qu'en plus il est très très jeune. Lee Kang-in, Kang-in Lee. Je vais être honnête avec vous. En tant que Coréen, difficile de rentrer au pays sans son maillot. C'est surtout bon pour les affaires du PSG. Les jours de match, son maillot se vend mieux que celui de Mbappé. C'est clairement une de nos top 1. Êtes-vous heureux? Oui, je suis très content. Vamos. Ce joueur va permettre à Paris de conquérir. 몇 경기 출전하지도 않았는데 에이스 존재감을 뽐내며 파리 생제르맹 팬들의 사랑을 받고 있는 이강인 선수. 영상을 보고 나니 오히려 파리 생제르맹이 이강인 특수를 누리고 있는 것 같다는 생각마저 드는데요. 영상 속에서는 주로 한국인 팬들이 등장했지만 프랑스 현지 이강인 팬덤도 대단합니다. 일단 제2의 메시가 기대된다는 평가와 함께 아직 젊은 이강인이 파리 생제르맹에서 얼마나 훌륭하게 성장할지 기대된다는 목소리가 높은데요. 음바페 단짝으로 거듭나 환상적인 호흡을 자랑하는 것도 인기 요인 중 하나라고 합니다. 파리 생제르맹 경기가 그동안 재미가 없었는데 이강인의 등장으로 흐름이 빨라지고 흥미진진해졌다는 평가도 많고요. 한편 프랑스 풋 메르카토는 얼마 전 리그1에서 성공적으로 데뷔한 신입생들이라는 제목으로 몇몇 선수들을 선정해 평가했는데요. 당연히 이강인도 포함됐습니다. 풋 메르카토는 이강인은 상승 그래프라면서 311억 원을 들여 영입한 가치 이상을 해낼 것이라는 확신과 함께 그의 마케팅적 가치도 대단하다며 음바페를 뛰어넘는 유니폼 판매량을 예로 들었는데요. 심지어 네이마르와 메시가 떠난 후 음바페가 파리 생제르맹 인기 1순위가 될 줄 알았는데 그 예상이 빗나갔다는 코멘트까지 곁들였죠. 앞으로도 이강인 선수의 눈부신 활약을 자주 볼 수 있길 바라며 오늘 영상 여기서 인사드릴게요. 항상 함께해 주시는 구독자 여러분께 깊이 감사드립니다.